Bonjour à Frédéric, Bonjour. à Loïc, et à Julia et donc vous, Frédéric. Eh bien, vous avez lu, vous avez lu la presse culturelle. Oui, exactement. Et d'abord, est-ce qu'on est devenu à ce point pudibond et coincé Voyez cet article du site web de Libération. L'UNESCO, la grande institution culturelle mondiale dont non. le siège est à Paris, a exposé des statues sur lesquelles ont été enfilés des slips non. pour qu'on ne voit pas leurs parties intimes. Ah, C'était oh, pendant les Journées du Patrimoine. À un moment, la question de la nudité des statues a été abordée, je cite le sculpteur, à tel point qu'il a dû proposer de rester à proximité avec un linge pour, je cite toujours, « cacher en fonction des visiteurs ». Je vous jure que c'est vrai, on est en 2019 en France. À la fin, c'est donc l'option du slip qui sera retenue et c'est d'autant plus incroyable qu'il y avait un dispositif, normalement, pour qu'on puisse voir les statues d'une manière différente avec des trucs dessinés dessus, quand on regardait par euh, l'intermédiaire d'un téléphone portable. Donc évidemment, avec le slip, ça ne marchait plus. Je vous recommande la lecture de cette histoire hallucinante sur Libération.fr. Mais il y a plein d'histoires qui nous montrent un, un progrès de la pudibonderie. C'est oui. vraiment très oui, étonnant. Oui. Voilà. Vrai. Je passe à une dame que ce genre d'histoire doit faire bien rigoler, et on reste en famille, vous allez voir, puisqu'il s'agit de l'interprète inoubliable de Je t'aime moi non plus et de la mère ah. d'une jeune femme qu'on vient de voir. <laughs> voilà, Libération fait, hein, en Libération papier cette fois, fait un portrait de Jane Birkin, jeune septuagénaire, toujours pleine de décontraction juvénile. Je cite. J'ai failli dire notre Jane Birkin nationale. Et oh j'aurais si oui. dû. Bah oui, bah oui. Bah oui parce que c'est la plus française des Anglaises. Et puis en plus, avec ses tournées. Euh, qui n'arrête jamais, euh, elle est perpétuellement en tournée, donc elle connaît les moindres recoins de l'Hexagone. Libération recommande la lecture de Post Scriptum, qui est le deuxième tome de son journal intime, publié avec très peu de, de corrections et donc la syntaxe toute personnelle de Jane Birkin. On retrouve savez, si, Je un peu... ma stylo pour voilà. écrire ma histoire. Exactement. <laughs> et elle raconte par exemple qu'elle pouvait tomber dans les pommes avant un passage sur scène, alors qu'elle a en même temps besoin de la scène. Il y a plein d'autres choses. Portrait de Jane dans Libération, Jane B. Euh, autre <laughs> femme cette fois dans la croix, on revient à une Charlotte, mais c'est Charlotte Perriand, architecte célèbre ah, oui. qui a traversé le siècle. Née en 1903, disparue en 1999, la croix nous signale une expo à la Fondation Vuitton à Paris jusqu'à fin février, de même que la parution de plusieurs livres à son sujet. Autre femme à l'honneur ce soir sur France 3 dans l'émission de Stéphane Bern, qui est passée de la 2 à la 3. Attention à ne vous tromper pas. Euh, je vous dis Bloody Mary, vous pensez cocktail, évidemment. Oui, je vous connais. Et, oh. <laughs> et, ben, et c'était d'abord la reine d'Angleterre, Marie Ier. <laughs> Marie la sanglante. Je vous en dis pas ah. plus, ça dit déjà la pas mal de choses sur son caractère. Bien qu'elle n'ait régné que 5 ans au XVIe siècle, émission à 21h05 ce soir sur la 3, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Et puis du blue, de, du blue Mary, je passe au rosé, c'est logique, le rosé pamplemousse plus précisément, les députés viennent de décider qu'il sera bientôt davantage taxé, de même que les vins à la fraise ou à la pêche. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on appelle des prémix, produits qui ciblent les jeunes, alors avec des vins de faible qualité, et qui ont un goût sucré, ludique, oui. goût sucette, goût grenadine. Effectivement. Donc allons-y mollo sur la picole, surtout que c'est vraiment pour, euh, non, mais oui. vrai, pour attirer les jeunes. Donc, vous que y, y allez, moi je tout. dirais à consommer avec modération. Si vous voulez, c'est l'expression consacrée. <laughs> Et étourdissons-nous plutôt de danse avec de la techno-géorgienne, je termine avec Oula. ça. Ah, oui. Composition oui, du centre chorégraphique national de Marseille, que vous ne trouverez pas chez tout le monde, ça ne se voit pas tous les jours. C'est actuellement en tournée à Dijon ce soir, puis à Saint-Etienne, à Lyon, etc. Et c'est l'humanité qui nous en parle.